Sandra. Bonjour Nina. Bonjour Abel. Bonjour. Il y a les petits points ici. Tu pars à Strasbourg. Tu dors là-bas ce soir. D'accord, ouais. Un plus gros câlin de dépôt. Ah oui, ouais. Réserve de câlin. Ouais, c'est ça. Mais j'en laisse à la maison, des petits sacs. Ben, ils ont un tupperware avec une salade, ils ont un tupperware avec le fil, le... et après ben, le goûter, quoi, parce que Noé, il mange pas de produits. Tu gardes ton sac de secours. Et papa, il vient te chercher tout à l'heure, parce que maintenant, t'es dans l'école des grands, tu restes avec Jeanne-Charlotte. Trop bien. Allez. Moi aussi. Toi, tu restes avec les petits. Toi, tu vas des petits bisous. Toi, tu vas au petit point. Ouais. Tu viens de ta fort. Non. Pas si minuscule, mais face à ces gros arbres. Hein. Et puis ici, Gabin, on s'arrête au grand chêne. Hein. On va montrer le grand chêne. Ouh, il y a des toiles d'araignées. Désolée les araignées. On est de retour. On vient dire bonjour à notre grand chêne. Voilà. Il y a plein de toiles d'araignées. Je croyais qu'on continuait. Ah non, c'est... Alors ça, ici, ce sera un endroit où on va s'arrêter tous les jours. Cet arbre-là, c'est un des plus grands de la forêt. Et pour nous, c'est un petit peu le gardien de la forêt. Et donc, du coup, on va lui dire bonjour tous les jours. Monsieur Chêne, écoutez. Alors, on est dans la forêt de Chassagne, juste au-dessus d'Orbe, au-dessus de Moncheron, entre Moncheron et Lignerolle. Voilà, dans notre forêt, dans notre salle de classe. On y va ? Il est d'accord ? Ouais. Il a dit oui. D'accord. J'étais venu en fait ici en Chassagne pour organiser quelque chose pour l'anniversaire de mes enfants. Et puis ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit, c'est là qu'il faut qu'on vienne. C'est vraiment, voilà, c'est une forêt qui est grande, c'est une forêt qui a l'avantage de ne pas être trop dense. Il y a peu d'endroits dangereux, c'est assez plat. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut, mais on peut choisir où on va, puis choisir des endroits qui sont finalement assez sûrs pour des jeunes enfants. Ça pourrait être... Attends, je veux voir. Mais c'est mercredi. On sait que c'est celle-là. Si, c'est celle-là. Est-ce qu'il y a un autre avis? Est-ce qu'il y a un autre avis? Tu peux la reposer. Hop. Merci. Oui, moi j'ai lu en plus. T'as lu? Mais moi j'ai mercredi. On est le 28 août, Gabin. On est le 28 août. J'ai eu l'avantage d'avoir le temps de réfléchir pendant que j'enseignais dans ma classe. Et puis finalement, mettant les choses bout à bout de ce que j'aimais dans mon travail d'éducateur, dans mon travail d'enseignant, et puis d'autres choses, nourries par d'autres approches, d'autres courants. J'avais entendu parler des jardins d'enfants en forêt. Et puis voilà, un jour, je me souviens bien, je suis rentré à la maison en disant, mais en fait, l'idéal, ce serait de créer une structure qui réunit des adultes, des écoliers pour tous les âges, et puis proposer des activités créatives et en lien avec la nature. Comme ça, c'est équitable. Chacun son tour. À ce moment-là, y avait un jardin d'enfants qui était à remettre, à la vallée de Joux. Et puis, j'ai décidé de postuler. Et puis, il s'est passé un certain temps jusqu'à ce que j'aie l'entretien, entre le moment où ils m'ont répondu que mon dossier les intéressait. Et puis, pendant ce temps-là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais finalement élaborer
le projet du jardin d'enfants dont je rêve. Et puis, bah, voilà, ce projet, c'est vraiment voilà, c'est celui des petits pois. Et c'était assez rigolo d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, j'étais très ambivalent à me dire, est-ce que j'espère que ça marche pour reprendre ce jardin d'enfants à la vallée de Joux, ou bien... Parce que si ça marche pas, je crois que je vais faire ce que j'ai prévu de faire, en fait. Et puis voilà, bah, ça n'a pas marché. Et puis finalement, bah, Point Nature est né. Enfin, le tout début de Point Nature. Ici devant, ce sera notre salle de classe où on va travailler. D'accord ? Et puis de ce côté-là, on va faire le tour maintenant du périmètre des murs invisibles, des murs qu'on va se donner. Et puis le but, c'est de voir toujours le drap rouge et blanc. D'accord ? Vous avez vu, là, il y a un petit endroit. Je pense que c'est un chemin de renards, de chevreuils, de tout ce qu'il y a. Il y avait une formation qui était la formation Sylviva d'éducation à l'environnement par la nature. Et puis je l'ai suivie. Et ben, durant cette formation, il y avait des mini-stages à faire. Du coup, ben, j'ai demandé à Dominique si je pouvais faire 2-3 demi-journées avec lui. Puis ça a bien joué, quoi. Puis du coup, ben, ça fait 2 ans que je suis là. D'abord pour le jardin d'enfants et puis maintenant pour l'école. Est-ce qu'on voit le drap rouge et blanc ? Juste derrière Joanne. Là, on le voit. Ah ouais, on le voit. Tu vois ? Ah ouais. Oui, il est là. Tu l'as vu ? Ok. Alors, on peut continuer le chemin du renard. C'est vrai que l'école, ça a été vraiment un déclic un peu... nous, on en rêvait un petit peu, mais sans vraiment... Enfin, voilà, en se disant, ouais, ce serait trop bien quand même. Et puis, il y a une soirée des parents, des petits points, où on a eu la demande, en fait, des parents. Ils nous ont dit, mais qu'est-ce que nos enfants vont devenir à l'école entre 4 murs ? Enfin, ça va être difficile, c'est trop bien ce que vous faites, et tout ça. On a dit, bon, bah ok. On va vraiment essayer de mettre en place cette école, quoi. Un piano des bois. On le voit toujours, moi je le vois un petit peu. Là, on le voit, hein, toujours. On voit qu'il est blanc. Et puis là, on suit ce chemin-là encore. On s'est dit, mais pourquoi on ne s'autoriserait pas à rêver à ce que pourrait être une école en forêt ? Et puis finalement, on a dessiné un peu les grandes lignes, on a fait un groupe de travail, on s'est mis à plusieurs personnes qui étaient intéressées. Et puis voilà, on a dessiné les grandes lignes de ce qui existe maintenant. On a pour les 10 heures, un 10 heures salé avec des légumes, avec un bout de pain, il y a un bout de pain chacun. Et puis, il y a une petite sauce yogourt curry. Vous pouvez prendre vos sacs en fait dehors parce que de toute façon le pique-nique à midi on mangera dehors et puis vous pouvez boire un petit peu, pas oublier de boire. Et puis vous pouvez manger ici. Ouais, alors le gâteau on garde ici pour midi. Là moi j'ai juste mon sac. Regarde, j'ai pris tout ça. Attends. Alors, cet après-midi, vous allez pouvoir aller choisir votre endroit, votre bulle nature. Et c'est un endroit où vous pourrez aller régulièrement, on ira tous les jours, pour s'asseoir dans votre petit coin et puis juste regarder, écouter, sentir la forêt. Jouer. Ah, c'est pas un endroit pour jouer, c'est plutôt un endroit pour vraiment être avec la forêt. Regarder, écouter, tranquille. Quand on va être tranquille, on va là-bas. Voilà. Mais si on oublie où c'est Dieu. Alors, ah, mais justement, ouais, c'est une bonne remarque, Joanne. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de lierre. Et puis, comme ça, vous pourrez décorer un peu l'arbre qui est tout près de votre bulle nature. T'as l'air. Moi, j'ai envie. Toi, t'as envie. Ouais.
Et puis, vous aurez une petite écorce avec votre nom dessus aussi pour mettre. Parce que si tout d'un coup, on doit venir vous chercher, on doit savoir où vous êtes. Vous pouvez venir chercher l'écorce vers moi, puis après, aller vers Dominique. Gaël. Attends, Gaël. Dominique. Gabin. Gaël. Gaël. Là. Hector. Bah là-bas, Gaël. Noé, il faut là. Aller. Et toi? Mais moi, bah, du coup, mais moi, ça, c'est mon arbre. Toi, tu vas sur cet arbre. Lui? Ouais. Il est trop fin. Pour nature, nous, on ne s'inscrit pas au faux par rapport à l'enseignement public, mais vraiment de dire on peut proposer tout autre chose. Ça nous paraît intéressant d'avoir des alternatives dans l'enseignement. Normalement, c'est ici mon prénom. Super. On n'a pas d'obédience pédagogique autrement. On préfère s'inspirer de plein de courants différents, mais ce qui est central, c'est quand même la pédagogie par la nature. Et puis, la pédagogie par la nature, c'est vraiment... Enfin, la spécificité de cette démarche-là, c'est de découvrir la nature, enfin de faire de l'éducation à l'environnement, mais par la nature, donc sur le terrain. En commençant par observer, par réveiller un petit peu l'enthousiasme qu'on peut avoir pour la nature. Et puis ça, on le vit beaucoup avec les jeunes enfants. Ça va ? Waouh, il est beau ! Ça, on laisse là. Puis après, on peut rester vers son arbre un petit moment. On a des objectifs très clairs qu'on va suivre, les objectifs du plan d'études roman. Et comme ça, ben, on se dit, oui, au moins les enfants, ben, ils auront les connaissances qui sont attendues. Ils auront juste à s'habituer à s'asseoir à une table et puis à être entre quatre murs. Ici c'est Mathéo. Non, ici c'est... Non, ici c'est trop proche. Ici c'est trop proche. Non, mais ici c'est trop proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est trop proche ici. Mais c'est trop proche. Bon, je vais dire c'est trop proche. À la forêt demain. Ouais. Je dis on dit. Alors il y a 13 élèves, 3 de première année, 5 de deuxième année, 3 de troisième et 2 de quatrième.
Ça fait des différences d'âge. Il y en a qui ont fait l'école à la maison, il y en a d'autres qui ont fait l'école entre quatre murs. Il y en a qui ont vécu jusque-là au jardin d'enfants. Du coup, voilà, je vois vraiment un groupe qui peut bien évoluer, mais il faut qu'on mette en place des choses, quoi. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez ? Bien. Comme ça. Je suis contente, ouais. T'es contente ? Moi, j'arrive pas à dire parce que ce matin, j'ai pleuré parce que ma maman, elle m'enlevait les habits. Et puis, comme si elle m'arrachait les habits, donc je sais pas. Mais maintenant, comment est-ce que tu te sens ? Non. Je suis comme ça, puis comme ça. Et moi, je me sens comme ça aussi. Et puis un petit peu comme ça aussi. C'est important de pouvoir créer un climat de communication et de confiance au sein du groupe. Je pense que c'est un ingrédient qui est intéressant. On a une valeur qui est quand même importante dans la manière de travailler, c'est aussi la coopération. Comment tu te sens ? Comme ça. Et puis je crois que la coopération, ça demande aussi de pouvoir un petit peu sentir où se situent les autres et puis d'apprendre à être à l'écoute des émotions les uns des autres. Et puis d'être à l'écoute de ses propres émotions, de pouvoir les nommer, de faire exister un petit peu toute cette vie-là, toute cette vie émotionnelle. Alors, vous allez pouvoir faire, il y a juste la brachie, juste là-bas. C'est lui ? C'est lui. Ouais. Noé, tu nous choisis une carte, celle que tu as envie. Tu prends un tas plutôt, un tas de cartes. T'as envie de quel tas ? Johan, viens vers nous. D'accord. Tu peux faire deux choses avec ce tas de cartes. Soit tu te dis, moi j'ai envie de m'amuser à écrire les chiffres sur la Terre. Par exemple, t'as envie d'écrire quel chiffre ? 9. Alors viens, tu peux faire. Je vais te faire un petit... Attention, tutut. Ouais, je vais m'enlever. Moi, l'autre côté est bien, va bien. T'arrives à voir, là, hein ? Là, t'arrives à voir. Tip top, dis donc. Nickel, là. Chouette. Le 9. Puis tu peux continuer. Ou alors, tu te dis, moi, avec ces cartes, j'ai plutôt envie d'aller chercher 9 choses dans la forêt. 9 mêmes choses. 9 mêmes choses. Qu'est-ce que tu pourrais prendre ? Des pives. Des arbres. Ton arbre. Des pives. T'as pas besoin de Qu'est-ce qu'on trouve par terre ? Moi, par exemple, je me dis, je vais casser 9 petits bâtons. 1. On y va ensemble, vous m'aidez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'ai trouvé 9 mêmes objets. Notre idée, c'est pas du tout de faire des enfants exclus de la société, mais de faire des enfants qui peuvent vivre en société et puis vivre bien. Et puis faire que la société évolue dans le bon sens. Donner l'exemple de comment est-ce qu'on peut vivre et prendre soin de notre environnement et de la nature. Toi, je te distribue à toi. Et tu en prends aussi pour toi. Et puis moi, j'en prends aussi pour moi tous. Et on doit prendre une carte là. Tac. Là. Toutes ces cartes des deux, toutes ces cartes. D'accord ? Et on regarde les cartes sans que l'autre voit, d'accord ? Moi, je regarde pas tes cartes et toi, tu regardes pas mes cartes. T'es d'accord ? Ah ouais, je prends. Voilà, alors. Pour regarder. Et pour regarder. Moi, j'aimerais que, dans le monde de mes rêves, que la compétition, ça puisse être qu'un jeu. Donc, c'est-à-dire qu'on soit vraiment pleinement conscient que c'est pas comme ça qu'on construit. Parce que c'est ce que je crois. C'est une stimulation, mais c'est pas très constructif. C'est pas... Voilà, c'est quand même mettre de la rivalité entre les gens. Et puis, c'est apprendre aussi à se mettre en avant au détriment des autres. Donc, je me dis que peut-être que sur une autre base, si on a vraiment... la conscience que finalement à plusieurs on est plus fort, on est plus intelligent aussi,
Après, on peut faire s'amuser à faire un petit peu de compétition pour jouer, pour voilà. Mais que ça vienne finalement en second plan. Le premier plan soit plutôt la coopération et puis voir comment je peux faire avec les autres. Mais effectivement, c'est un petit peu à contre-courant de ce qui peut se faire dans la société en général, je dirais. Ouais. Conseil de classe, hein. Et puis dans le cahier pour aujourd'hui, ben il y a un petit mot de Mathéo. Et puis je sais pas si vous avez d'autres choses. Moi. Donc Gabin levait la main avant. En fait, moi c'est Noé. Et ben il m'a dit que j'étais moche. C'était soit mardi, soit lundi. Qu'est-ce que vous pensez de Gabin? Il dit que Mathéo et Noé lui ont dit qu'il était moche. Et qu'est-ce que ça te fait quand on te dit ça, Gabin? Tu as déjà commencé par toi. Tu aimes pas? Parce que ça me rend plus. Je te tire pas la langue. Si. Non, je suis en train de lécher des gouttes d'eau. Oui, Gabin. On avait dit ça qu'on était en train de manger. Oui. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ça vous rappelle quelque chose? Ah, moi, je comprends pas. Tu pouvais pas nous le dire tout de suite. Parce que là, tu rigolais dès qu'on te disait. Moi, j'ai dit 1000 fois arrête. Et toi, tu rigolais, Mathéo aussi. Non, si. Si je comprends bien, c'était pas très clair si c'était un jeu ou pas un jeu. Hein. Alors c'est vrai que c'est des choses où c'est important de pouvoir le dire le plus vite possible, gamin. Pour qu'on puisse aussi vous aider, parce que des fois, pour certains c'est un jeu, puis pour d'autres c'est pas un jeu. Mais moi j'ai quand même envie de rappeler le petit bonhomme qu'on avait vu au début. Hein. Vous vous souvenez du petit bonhomme? Merci. Hein, vous vous souvenez de ce petit bonhomme? Ouais. Puis on a vu aujourd'hui, bah, y a eu des coups de bâton. Et puis là, on parle de mots aussi. Ça, c'est toutes des petites choses qui, à chaque fois, lui plient un petit peu le bonhomme et puis lui font mal. Ou quand on le déplie, ben, il y a voilà. Quand même des traces. C'est de nouveau un petit bonhomme, mais ça lui laisse des traces, des marques, des plis. On essaye de tous se dire, quand je veux vraiment qu'on arrête, je dis stop. Puis les autres, ils doivent vraiment stopper. Oui, oui. Thank you.
j'aurais besoin de tes mains, enfin, avec une cuillère. Je peux mettre dans mes mains, moi je veux. Parce que tu vas touiller la levure dans l'eau. Vas-y. Touiller, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu penses? Je mets tout? Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, touiller? Je fais comme ça? Ouais. Ben voilà, tu touilles. Comme ça? Touille, mademoiselle. Voilà, je la tiens. Ouais. Je malaxe. Tu vas malaxer? Alors, tu remontes tes manches? Voilà. Et c'est parti. Ça colle. Ouais, c'est possible. Aïe, ça brûle même. Oh, mais ça couche trop. Quand on est dans une démarche un petit peu alternative, un peu originale, ben voilà, les gens nous accueillent déjà en ne comprenant pas trop où on veut aller. Et puis finalement, c'est des rencontres, c'est des gens qui sont séduits par le projet, puis qui disent « Ah ouais, ça c'est quelque chose de chouette ». Ça s'est passé avec le groupement forestier de la région, qui a vraiment fait un super accueil à notre projet. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est des rencontres. Oui, il peut y en avoir beaucoup. Mais par exemple, tu vois, ici, à Chassagne, le sol, il n'est pas très bien pour les sapins. Alors du coup, le sapin, il ne pousse pas très, très bien ici. Et puis, ce que je voulais essayer de vous expliquer aussi, c'est mon métier, un petit peu. Tu sais, toi? Oui, je vais couper ce sable. Pourquoi tu aimerais couper celui-là? Il fait les ciseaux. Ah, avec les ciseaux? Oui. Le tailler? Non, les couper les branches. À couper les branches? C'est quoi mon métier? Vous avez dit je suis garde forestier. Puis vous pensez que c'est quoi? Je fais quoi? C'est sauver... En fait, non, pour les chats. Mais oui, tu voulais dire quelque chose. Non! Ce que je voulais essayer de vous montrer, en fait, c'est comment on va entretenir cette forêt. Et puis, en général, nous, on va choisir les arbres qu'on veut garder. Et puis, quels arbres on devra enlever pour favoriser ces arbres-là. Je vous donne des petites bandes de couleurs. Et puis, vous choisissez un arbre par groupe. Et puis après, vous nous expliquez pourquoi vous avez choisi un arbre ou l'autre. Noé, ce arbre est 4. Moi, je suis dans le centre. Non, moi, je suis pas tout seul. Tu te mets à qui? Avec un groupe. Ouais, deux chênes ou un chêne. Des chênes? Et vous savez, les chênes que ton... On a choisi un chêne et puis qu'on aimerait enlever l'autre qui le gêne. Et bien, ce qu'on risque de faire, c'est que s'il y a trop de lumière qui vient sous le chêne, le chêne, il va mettre plein de branches le long du fût. Vous avez vu, le long de l'arbre, là, il y a plein de petites branches. Moi, ouais, mais je trouve que c'est aussi sympathique. Parce qu'en fait, bah, il est un peu courbé. Tu fais le tour, s'il te plaît. Hein? Ouais. Attends, un arbre. Là, il faut couper ce truc. T'en mets un. Vous nous expliquez alors pourquoi vous avez choisi les deux arbres? En fait, ils sont jumeaux et puis il y en a toi. Bah, et aussi parce que ici on peut s'asseoir. En plus, ça fait un siège, ouais. C'est tout noir qu'on en enlève. Mais ça, c'en est qu'un ou deux, ouais. En fait. Je pense que ce n'est quand même deux au départ, mais ils ont poussé ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Alors ils sont habitués à pousser ensemble. Et puis si on en enlève un, et bien, l'autre, je pense qu'il se sentira tout seul. Et puis il risque de tomber. Moi, il laisse les deux, soit on les coupe les deux. Voilà, exactement. Bah, c'est ce que j'aurais dit. Tout à fait. C'est un peu le changement de la société, hein. On revient à faire attention à ce qu'on a autour de nous. Et puis ce qu'on a autour de nous le plus précieux, c'est la nature. Donc pourquoi pas commencer par là, par l'école aux forêts. Pour moi, inculquer cette base. Après, ben, chaque vie a des chemins différents. Mais c'est une bonne base, à mon avis. Et puis les petits d'aujourd'hui sont les futurs adultes de demain, donc c'est eux qui vont prendre la relève. Donc c'est important qu'ils sachent ce qui se passe et comment nous on voit les choses.
Là, il y a un érable, ouais. C'est bien, vous connaissez plein d'arbres déjà. Je vais là et je refais tout seul, comme tout. Attends, on va voir l'heure qu'il est. Ouais, on a le temps encore de... Tu puisses lancer ton dé. Vas-y. J'ai fait ma formation à la HEP à Fribourg. Du coup, ben, j'ai le papier pour enseigner dans le primaire. Et puis, ben, j'ai travaillé mes 11 ans d'enseignement au même endroit, dans le canton de Fribourg. Pour des classes d'abord de 3e, 4e Armos. Et puis après, ben, j'ai eu des premières, 2e. Il y a eu pas mal de choses qui correspondaient plus à mes valeurs. En fait, j'étais plus bien dans ce que je faisais alors que j'aime ce métier. Donc, ouais, ça. Ouais, j'étais plus en accord avec moi-même, en fait. Et puis, je me rendais compte que c'était en train de plutôt être négatif pour moi, pour ma santé aussi, pour plein d'autres choses. Ça touchait aussi le privé. Enfin, voilà. C'est, du coup, c'était plus. Fallait que je modifie quelque chose. Alors, je pensais pas autant vite trouver quelque chose qui me conviendrait. Puis voilà, c'est vrai que c'était ça, c'était un peu mon petit rêve. Salut, maman. Oui. Bah alors, bienvenue. C'est chouette d'avoir des parents qui se mouillent. Bon, ouais, ils sont encore bien secs, hein, quand même. Bien secs. On va avoir un petit peu le nez en l'air cet après-midi. Vous pourrez faire un mobile en famille que vous pourrez emporter à la maison. Il y en a combien de temps pour tout ça? Alors oui, c'est une bonne question. Ouais. Ouais, tout à fait. Une bonne demi-heure. Tu vas être en papa? Oui, ça peut être. C'est comme à la maison. C'est ça. On se retrouve à faire des bricolages. Ça nous change. Avec des feuilles. Avec des feuilles et des bois et tout. C'est cool. Là, tu peux la mettre sur la piscine. En fait, moi j'ai dit que demain les feuilles et que je faisais des trous. Voilà. Et ça s'est pas passé. Ah, ça c'est magnifique, ça c'est comme une nacelle là. Oui. Mes petits-enfants qui sont dans cette école. Et puis voilà, j'arrive maintenant la première fois à découvrir cet espace ici qui est magique, quelque chose. Si on s'imagine ça pour des enfants. Moi j'ai dit quand je suis rentré ici, j'ai dit waouh, cette porte de l'école. Mais là j'étais un peu avec l'idée de quelque chose de lourd. Qui est en rapport avec quelque chose de très léger. Et puis voilà, maintenant je découvre que si je fais comme ça. Ça c'est très léger. Et puis, le moment où je le lâche, pof, c'est lourd. Et puis on peut tellement expliquer aux enfants tellement de choses avec ça, simplement avec un truc simple comme ça. La balance, ça tourne. La stabilité de quelque chose, le poids. Et puis ça, c'est pour moi une manière très simple de dire aux gens, regardez,
C'est ça l'essentiel de la vie. C'est là où il faut aller. C'est le chemin pour le futur. Maintenant est assez magique. Et puis ouais, ce partage, voir vos enfants puissent un peu vous présenter cet endroit et puis puisser le vivre avec eux, ben, petit moment précieux. Et bien chouette avec cette pluie qui finalement elle amène toujours beaucoup de petites magies. Hein. Voilà. Donc, merci. Merci à vous. Ok, là c'est le départ. Ça marche. Après elles vont où? Là, le long. Tourner. Alors. Salé. On va dire deux. À part de parfum. Moi j'aimerais bien encore une. Madame Charlotte. T'aimerais bien encore une. Bam. Tu mets du beurre après du sel dessus. Ouais. Est-ce que tu veux manger? Ça c'est une grosse, hein. Et moi aussi je veux une grosse. Donc, tu veux aussi une grosse. On a vu ben, l'automne avec toutes ces feuilles, toutes ces couleurs. Et puis là, il y a eu toute la période avec plein de champignons. Donc évidemment, on a fait des dessins de champignons. Et puis, ben, il y a le froid qui arrive. Donc on se fait les feux. On mange un petit peu chaud à 10h ou à 4h. Il faut sortir les chaufferettes, il faut faire des jeux de mouvement, il faut...
voilà, il y a le froid qui arrive, quoi. Et puis, les premiers froids, c'est toujours les plus difficiles. Puis là, il est arrivé assez rapidement. Enfin, tout d'un coup, il a fait quand même vraiment froid. Les enfants doivent être habillés de façon différente. Puis, il y a toujours une semaine où c'est un peu plus compliqué parce que, il ne faut pas arriver en short à la forêt, quoi. Mais ça, les parents sont avertis, puis ça fonctionne bien. Mais voilà, moi, je trouve juste magique de vivre ces saisons au jour le jour, quoi. Bonjour les parents. Oui. Nous invitons à la fête de Noël. Le samedi 7 décembre, on vous accueillera à l'école à 16h. Ouais, 16h, c'est juste. Puis ça finira à 19h. Au revoir les parents. Joyeux Noël. Oui. Les enfants de l'école. Et Mathéo, Jade, Johan, Johan et encore plein de monde qu'il n'y a pas. Non, c'est ce qu'on va faire. Gaëlle, t'as pu écrire. Hein. On a mis en place beaucoup de choses, on a parlé de qu'est-ce qu'une école et on a remarqué qu'il y avait peut-être des choses qu'il fallait qu'on verbalise aussi. Une école, c'est un endroit où on doit pouvoir apprendre dans le respect, qu'on doit se sentir en sécurité. Affective et physique aussi, parce qu'il y avait pas mal aussi de coups, de bâtons, de tout ça. Donc là, on a été très très clair en disant que ça pouvait juste pas jouer. Ok, alors, on va faire notre conseil de classe. On va d'abord regarder dans notre petite boîte. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non ! Non, il n'y a pas eu besoin. Personne n'a eu besoin d'écrire un petit message. Mais par contre, il y a Johan, tu avais quelque chose à dire ? Madalena, je ne peux pas donner le bâton à moi. C'est triste. Tu es triste parce qu'ils n'ont pas voulu te donner le bâton ? Non. Alors, on va écouter Magdalena. Sam, il avait cassé le bâton de Johan. Et alors, Johan, il s'est fâché. Et après, Sam, il a trouvé un autre bâton. Et Johan, il disait que c'était à lui. Et Sam, il ne voulait pas lui donner. Après, je lui ai dit pourquoi on ne voulait pas lui donner ce bâton. Parce qu'il tapait avec les bâtons. Donc ça, on n'avait pas envie. Donc en fait, on lui a pas donné le bâton. Alors Yoann, est-ce que tu as compris ce qui s'est passé ? Non. Tu étais en train de taper les autres avec les bâtons. C'est quelque chose qu'on fait avec des bâtons, Yoann ? Oui. Bah oui, bien sûr. Non. On tape avec les gens avec les bâtons. C'est dans nos règles de vie et on a mis c'est interdit. D'accord. Donc Johan, par rapport à ton bâton, en fait, toi, tu as cru qu'il te l'avait pris pour t'embêter. Mais en fait, la raison, c'est parce que tu as peut-être pas remarqué, mais eux, ils étaient plus en sécurité. Ils ont eu peur que tu les tapes avec le bâton. Mais oui, mais c'est juste que s'il a un bâton dans les mains, soit il tape, soit il fait pan-pan. Voilà. Chacun doit pouvoir se sentir en sécurité affective et physique pour travailler ou pour jouer. Et puis tes copains, là, ils étaient plus comme ça. Quand t'as des bâtons, Johan, ça leur fait un peu peur que soit tu donnes un petit coup ou bien alors tu fais des gestes un peu brusques. Donc peut-être qu'il faut maintenant, on peut aussi être là pour t'aider dans ces moments-là. Mais il faut trouver des moments où tu arrives avec ces bâtons à jouer avec les autres. Et peut-être que vous avez des idées de jeu. C'est comme dans tout, hein, quand on a commencé l'année, c'est pas nous qu'imposons en disant voilà, ici on va faire ça, et puis c'est comme ci, puis c'est comme ça. On fait avec eux.
Et puis ça, c'est une chance aussi. Il y a ce côté-là, justement, où on les responsabilise, et puis on les rend acteurs, et puis on espère que ça les rend motivés à avancer dans tout ce qu'on fait dans cette classe. Ce que je trouve qu'il y a de joli maintenant, c'est qu'il y a un petit peu plus de sérénité qu'au départ. Et puis, il y a une distribution qui se fait différemment. On ne se retrouve plus forcément toujours à jouer avec les mêmes. Ça se distribue beaucoup mieux. Et puis, il y a une acceptation aussi de la différence qui s'est faite progressivement. Et puis, voilà, pour les enfants, pour le groupe, je dirais, d'accueillir les enfants pour qui la vie en groupe est plus compliquée. Donc là, il y a aussi une acceptation de la part du groupe. De dire c'est comme ça, et puis ça fait partie de l'environnement dans lequel on est, et puis on évolue avec ça. Il y a des personnes qui ont vu des choses, qui ont peut-être senti, entendu différentes choses pendant leur bulle nature. Jade, j'ai fermé les yeux jusqu'au bout. Du début à la fin. Et j'ai entendu les gouttes qui sont tombées sur les feuilles. Oui, à un moment donné, on a et les oiseaux qui chantaient. Ça t'a fait du bien, ce moment? Et j'ai trouvé ça dans ma belle nature. La truffière. Je dirais que c'est un poisson saumon avec des grosses taches d'eau. Génial. Oui. Merci. Le poisson blanc qui est là-bas. Ceux qui ont la main levée, qui veulent parler. Moi, j'ai entendu. Ninon, à côté de moi. Moi, j'ai entendu le bruit des voitures. J'ai entendu les gouttes de pluie et puis j'ai entendu le calme. Ouais, et puis il y en a qui t'entendent pas. J'ai fermé les yeux. T'as fermé les yeux un petit moment? Ça t'a fait du bien? Ben, c'est avec leurs mots, mais ça veut dire beaucoup. Simplement, quand ils disent qu'ils sont bien, qu'ils ont entendu le calme, c'est chou. Alors, c'est tout simple, j'ai pu voir un oiseau, j'ai pu le voir, il s'est posé sur une branche, et puis après, il est parti. C'est vrai que c'en est un qui était très... dès le début. Il était très vite, lui, il s'est vite posé, il était dans son moment à lui. Alors qu'il y avait quand même autour de l'agitation. Donc ça, c'est une force. Hein. Ouais. Il a pu rentrer dans cet état d'observateur et puis d'être avec lui. Cool, cool. Ouais, ouais. Là. On est là. Et là, tu passes ça à Jade. Tu as le modèle, Gabin. Tu veux vraiment rester là? Mais va chez Johan. Il y a la fumée. Il faut qu'elle aille t'as vers fini, toi. Tu as fini, Gabin, toi, d'écrire? Mallory. Moi, j'ai fini, Mallory. J'ai fini, Mallory. Fini. J'ai fini, Mallory. Je vais m'arrêter à l'intérieur de la fonte. Par contre, ce serait bien. Mais après, on fait quoi? Dans la démarche, mais après j'aime beaucoup la notion de processus et puis j'aime beaucoup la notion de participation des enfants à ce processus-là. Moi j'aime bien travailler comme ça, donc voilà, si les enfants font des zigzags, moi ça me va très bien et puis je vais essayer d'aller là où j'avais prévu d'aller. Mais il y a des moments, ben voilà, cette destination elle est un petit peu mise en doute. Je sais pas si on arrivera finalement à aller là où je pensais aller. Puis des fois c'est tant mieux, et puis des fois c'est tant pis, on fera le chemin autrement pour aller là. Des fois on n'est pas prêt, ou les enfants sont pas prêts, ou la destination est peut-être pas la bonne. C'est ça qui est intéressant dans ce type de démarche-là, c'est que des fois le processus est beaucoup plus intéressant que le résultat. Oui,
on a fait de la pâte pour faire du pain bûcheron. Et puis après, avec ces pains bûcherons, on peut mettre du chocolat dedans, puis ça, c'est super bon. Il faut tourner le dos. Ouais, il faut des essuie-glaces là. Puis même les lunettes, elles ne fonctionnent pas. La forêt en hiver, ben voilà, il fait froid. Il faut accepter d'avoir beaucoup d'habits. Il faut aimer quand même être un peu dehors, quoi. Il y a des enfants qui n'aiment pas être dehors. Mais je pense qu'il y en a très très peu. Découvert le pays de la mousse, comme les enfants l'ont baptisé. Là, l'émerveillement des enfants, c'était juste magique. Parce que tous les enfants écarquillaient les yeux et puis ils se sont dit « Ah, mais c'est dingue cet endroit-là. » Cette année était très dense, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'imprévus aussi. Il y en a deux qui vont rejoindre l'école publique. Disons qu'il y a une petite difficulté, c'est quand même de pouvoir transposer tout ça dans le, voilà, entre quatre murs, j'ai envie de dire. Il y a toutes ces choses-là qui devront se mettre en place. C'est la fin. C'est la fin, ouais, c'est le dernier moment de cette année d'école. Après, il y aura les grandes vacances.